when I hit the streets and laugh with every... Merci Père. Répète cela après moi, Père Céleste. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Au son de ta voix et par la présence de ton esprit, j'amène le combat à la porte de l'ennemi. Et je dénonce toute activité démoniaque cachée dans le monde des ténèbres et qui oppressait ma vie, qui ralentissait ma course, qui bloquait ma progression. Au nom de Jésus, je me libère de tout joug démoniaque, tout joug satanique, tout joug qui me gardait prisonnier de Satan. Au nom de Jésus, par ce séminaire, accorde-moi la grâce. Saisis la révélation cachée derrière le mystère de Tyr. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. 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 Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre avec moi ta Bible dans le livre de Ézéchiel? Fais tout pour muter le son de fond là, s'il te plaît. Ça me dérange. Bienvenue encore à l'ambassade de Christ. Nous allons parler de choses très importantes. Dis avec moi, on est en conseil des ministres. Et nous allons parler des affaires du royaume. L'enseignement que je vais partager avec vous pendant ces 4 jours, enfin 3 jours plus le culte de dimanche qui sera, on va dire, d'une certaine manière l'atterrissage, est un enseignement qui est pour le combat spirituel. Dis avec moi le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est très important d'être bien enseigné là-dessus. Bien entendu, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas aller dans tous les sens. Mais je crois que le véritable combat spirituel, c'est un combat qui se mène avec la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu ne peux pas te prétendre au combat spirituel. D'autre part, le combat spirituel est... un des piliers majeurs que l'on pose lorsque nous bâtissons une mission apostolique. Dis avec moi, je suis apostolique. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, tu es apostolique. Et parce que nous sommes apostoliques, on doit comprendre le combat spirituel. C'est extrêmement important. L'environnement dans lequel nous sommes, le Gabon, et la culture africaine que nous, dans laquelle nous vivons, nous ne pouvons omettre le combat spirituel. Parce qu'il y a des réalités qui, tôt ou tard, finissent par nous rattraper. Si on était encore dans le pays des Blancs, on pourrait se permettre de dire que le combat spirituel n'existe pas. Mais ici, même si tu dis que ça n'existe pas, c'est le combat qui va te dire que j'existe. Tu vois ce que je veux dire? Et parce que notre... l'œuvre que le Seigneur bâtit au travers de nous est une œuvre apostolique, eh bien, il est super important que l'on soit armé et bien préparé. C'est demain, d'ici quelques années, que vous qui entendez ces messages, vous me direz merci. C'est demain que vous me direz merci. Hein? Le mystère de Tyr est un enseignement que vous pouvez aller sur Facebook, vous pouvez aller sur YouTube, vous ne trouverez cet enseignement nulle part. Ça, c'est une révélation que Dieu m'a donnée à moi. J'ai fait des recherches, je n'ai jamais vu cet enseignement être donné, ni dans le monde anglophone, ni dans le monde francophone. Alléluia. Il y a beaucoup d'enseignements qui y ressemblent,
Mais jamais quelqu'un n'avait fait un tel focus sur le sur tir. Parce qu'en fait, c'est une vérité spirituelle très profonde dans la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je suis très content que le Saint-Esprit nous ait donné cette parole il y a maintenant de cela 2 ans. Hein? Et j'ai pu voir des témoignages de personnes qui ont été véritablement délivrées au travers de cet enseignement. Alléluia. Ouais. J'ai vu des vies qui ont été vraiment particulièrement touchées au travers de cet enseignement. Je connais quelqu'un qui a écouté cet enseignement pendant des mois et des mois sans rien écouter d'autre. Écouter ça en boucle et en boucle. La personne connaît même l'enseignement par cœur maintenant. Tu vois, tellement en fait, la personne vivait des choses et l'enseignement a été une solution pour elle. Alléluia. Et je crois que pendant ces 3 jours, 4 jours-là, le Saint-Esprit va nous faire des petites surprises. Moi, je prépare des choses, mais après, comment l'Esprit conduit les choses, tu ne sais pas. Alléluia. C'est un enseignement qui est pour le combat, mais c'est aussi un enseignement qui vient amener aussi des guérisons et des délivrances. Alléluia. Hein? Il y a quelqu'un qui écoute, qui va écouter cet enseignement et qui va être délivré. Il y a quelqu'un qui va écouter cet enseignement et qui va être guéri. J'en suis convaincu. Et bien entendu, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, prends le temps de continuer de méditer ces choses-là. Hein? Et prie pour que d'autres personnes que tu connais personnellement qui rencontrent toutes sortes de difficultés au niveau spirituel puissent recevoir ce que toi tu vas recevoir pendant ces 3 jours. Alléluia. Testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est, et toi, c'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Alléluia. Allez, sans transition, est-ce que tu peux prendre avec moi le livre de Ézéchiel, chapitre 26? Je vais aujourd'hui te poser les bases, parce que comme la révélation est progressive, il est très important de ne pas aller trop vite, que tu comprennes bien, hein? Pour que tu comprennes bien. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que le premier jour, j'aime toujours poser les bases, après on accélère. Alléluia. Livre de Ézéchiel, chapitre 26, nous allons lire du verset 1er. Je crois, on va lire un bon bout de passage là, jusqu'au verset 15 ou 16, je crois. Si tu y es, dis avec moi, Amen. Il est écrit ceci. La 11e année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parce que Tyr a dit sur Jérusalem, haha, elle est brisée la porte des peuples. On se tourne vers moi. Je me remplirai, elle est déserte. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur. Dis avec moi le Seigneur. L'Éternel, voici, j'en veux à toi, Tyr. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses. Comme la mer fait monter ses flots, elles détruiront les murs de Tyr. Dis avec moi les murs de Tyr. Elles abattront ses tours et j'en raclerai la poussière. Je ferai d'elle un rocher nu. Elle sera dans la mer, un lieu où l'on étendra les filets. Car j'ai parlé, dit le Seigneur. Dis avec moi le Seigneur. Elle sera la proie des nations.
ses filles sur son territoire seront tuées par l'épée. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur. Dites-moi le Seigneur. L'Éternel, voici. J'amène du septentrion contre Tyr, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers et une grande multitude de peuples. Il tuera par l'épée tes filles sur ton territoire. Il fera contre toi des retranchements et il élèvera contre toi des terrasses et il dressera contre toi le bouclier. Il dirigera les coups de son bélier contre tes murs et il renversera tes tours avec ses machines. La multitude de ses chevaux te couvrira de poussière. Tes murs trembleront au bruit des cavaliers, des roues et des chars lorsqu'il entrera dans tes portes comme on entre dans une ville conquise. Il foulera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux. Il tuera ton peuple par l'épée et les monuments de ton orgueil tomberont à terre. On enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises, on abattra tes murs, on renversera tes maisons de plaisance et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai cesser le bruit de tes chants et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu. Tu seras un lieu où l'on étendra les filets. Tu ne seras plus rebâti, car moi, l'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur. Dis avec moi, le Seigneur. Le Seigneur. L'Éternel. Ainsi parle à Tyr, le Seigneur, l'Éternel. Au bruit de ta chute, quand les mourants gémissent, quand le carnage est dans ton sein, les îles tremblent. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cet enseignement est très important. Il y a tellement de choses à dire sur Tyr. Tellement de choses à dire sur Tyr. Pour ceux qui écoutent cet enseignement pour la première fois, vous pouvez récupérer cet enseignement-là. C'est celui que nous avons donné l'année dernière, ou du moins il y a 2 ans de cela, je ne sais plus, 3 en 2017. Et il y a beaucoup de choses que j'ai dites là-dedans que je ne pourrais pas dire ici. Cette semaine, parce que la révélation est progressive et le Saint-Esprit veut que l'on progresse dans la révélation. Alléluia. Hein? Mais si tu veux vraiment compléter cet enseignement, il faut absolument que tu écoutes celui-là. Alléluia. Dis avec moi le mystère de Tyr. Le passage que nous venons de lire est un jugement. Un jugement que Dieu est en train de prononcer sur Tyr. Hein, il dit au début de son passage, fils de l'homme, parce que Tyr a dit sur Jérusalem, elle est brisée. C'est un jugement parce que il a posé un acte. Moi, je vais le juger. Au niveau naturel, Tyr est une ville. Hein, et dans cette ville, il y avait un prince qu'on appelait le prince de Tyr ou encore le roi de Tyr. Et quand tu lis tous les passages qui font référence à Tyr, tu te rends compte que Dieu en fait n'est pas en train de parler à un homme. Dieu est en train de parler à un esprit, ou du moins à une principauté, la principauté de Tyr. Et en fait, Tyr ici, c'est Satan. Hein? C'est Satan. Et Dieu est en train de prononcer un jugement sur le diable. Tu vas remarquer, et c'est ce que je vais introduire, tu vas remarquer que Tyr est très présent dans la Bible. Très présent. Très. Aujourd'hui, je vais toucher un certain nombre de choses qui vont t'introduire sur ce que je vais donner demain. Hein? Aujourd'hui, je vais te parler des portes de la captivité. Dis avec moi les portes de la captivité. Tyr n'est pas juste une ville. Tyr est un esprit. C'est une principauté. Hein? Il y a un secret qui est caché derrière Tyr. Il y a un secret qui est caché derrière Tyr. Pour nous refaire un peu l'histoire, Tyr est une ville d'un pays qu'on appelle le Liban. Hein?
C'est une ville qui est juste à côté d'une autre ville que l'on appelait Sidon. Et Sidon était une ville qui se trouvait à côté d'une autre ville, d'une autre région qu'on appelait la Phénicie. Hein? Tyr, issue du Liban, était une ville stratégique. Pourquoi est-ce que c'était une ville stratégique? Parce qu'à Tyr, il y avait un grand port. À l'époque de Jésus, le port de Tyr était un port extrêmement important au niveau mondial parce que c'était une porte d'entrée au Moyen-Orient. C'était un lieu commercial où il y avait énormément d'échanges commerciaux. C'était un lieu de richesse, c'était un lieu de business. Ça, c'est version 3, mystère de Tyr. Mais je donnerai pas ça cette année. Et voilà, la révélation est progressive. L'année prochaine, rendez-vous avec Mystère de Tyr, version business. Ça, c'est typiquement pour les hommes d'affaires. Le combat spirituel dans le monde des affaires. Pour le moment, il y a encore trop de personnes immatures. Il y a des choses qu'on ne peut pas encore déposer. Alléluia. Même les Gabonais ne sont pas prêts à entendre certaines choses. Alléluia. Tu sais, nous, les hommes de Dieu, quand Dieu nous envoie dans un pays, en sa saison, on vient, mais il y a beaucoup de choses que Dieu nous donne quand nous sommes dans le secret. Mais il y a des choses, tu sais, que si tu déposes ça, c'est comme des bombes. Tu peux même te faire persécuter. Donc, tu es obligé de donner des choses simples pour que les gens comprennent. Hein? Le Liban est ce pays-là qui a un lien très particulier avec le Gabon. Et c'est pour ça que chez nous, il y a beaucoup de Libanais. Ils aiment particulièrement le Gabon parce que c'est un pays qui ressemble beaucoup à leur pays. C'est un pays côtier. C'est un pays qui embrasse la mer. Et ce que j'ai touché l'année dernière, c'est justement ce mystère caché derrière Tyr là qui est lié à la mer. Tous les pays côtiers dans le monde, que ce soit les pays d'Afrique ou encore celui des Antilles, ou encore l'Europe avec la France, tous ces pays-là qui sont côtiers sont sous la domination de principautés des eaux. Alléluia. Des eaux. Et c'est ce que j'ai développé l'année dernière. Tyr ressemble beaucoup au Gabon. Hein? Tyr ressemble énormément au Gabon. Et c'est parce que Tyr avait un grand intérêt pour Dieu. Parce que Tyr avait un grand intérêt pour Dieu, on comprend au regard de l'étude que tu peux faire au travers de la parole de Dieu qu'il y a un grand secret caché derrière Tyr au sujet du combat spirituel. Alléluia. Dis-moi le secret du combat spirituel. Le plus grand secret. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais il y a des choses qui sont très importantes. C'est pour ça que je parle du plus grand secret. Quel est le plus grand ou encore l'un des plus grands secrets du combat spirituel que beaucoup ignorent? L'un des plus grands secrets du combat spirituel, on le comprend quand nous lisons un texte au sujet de Tyr dans le même livre de Ézéchiel, cette fois-ci au chapitre 27. Lorsqu'il dit ceci, il dit à partir du verset 1, à 4 et 34 à 36, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prononce sur Tyr une complainte. Tu diras à Tyr, ô toi qui es assise au bord de la mer, dis avec moi le bord de la mer, et qui trafique avec les peuples d'un grand nombre d'îles. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tyr, tu disais, je suis parfaite en beauté. Ton territoire est au cœur des mers. Ceux qui t'ont bâti t'ont rendu parfaite en beauté. Et quand tu as été brisée par les mers, quand tu as disparu dans les profondeurs des eaux, dis avec moi les profondeurs des eaux, tes marchandises et toute ta multitude sont tombées avec toi. Tous les habitants des îles sont dans la stupeur à cause de toi. Leurs rois sont saisis d'épouvante, leur visage est bouleversé. Les marchands parmi les peuples sifflent sur toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Alléluia. Hein? L'un des secrets du combat spirituel, c'est de savoir que la demeure de Satan n'est pas juste dans les ténèbres. La demeure de Satan
et dans la mer. Le royaume des ténèbres est très présent dans la mer. Hein? C'est pour cela que les esprits des eaux sont les agents les plus fréquents que l'on rencontre. Il y en a plein d'autres. Mais les esprits des eaux sont les agents qui attaquent et qui opèrent le plus dans des pays côtiers comme le Gabon. Quand on dit esprit des eaux, on parle de tous ces esprits qui agissent essentiellement au travers du mariage spirituel. Dis avec moi le mariage spirituel. Qu'est-ce que le mariage spirituel? Eh bien, c'est quand un esprit vient s'unir à toi. Hein? Les maris de nuit, les femmes de nuit, et tout type d'esprit qui oppresse les gens, essentiellement la nuit, quand les gens sont plongés dans leur sommeil, etc., etc. Hein? Il y a beaucoup d'actes que les gens posent qui réveillent les esprits des eaux. Et les esprits des eaux sont gouvernés par des principautés telles que la principauté de Tyr et de Sidon. Alléluia. Les mers sont le repère du royaume des ténèbres et Jésus le savait. Jésus le savait. Mais tu vas remarquer dans la parole de Dieu, particulièrement dans les évangiles, que Jésus mettait un accent très particulier à travailler toujours au bord de la mer. Hein? La Bible nous dit, je t'ai pris quelques versets, Matthieu 13, un ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Bizarrement, Tyr aussi est assis au bord de la mer. Hmm? Livre de Marc chapitre 4, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Hein? Marc 5, 21, Jésus dans la barque regagna le trib où une grande foule s'assembla près de lui, il était au bord de la mer. Même à sa résurrection, Jésus-Christ rencontre ses disciples où encore? Au bord de la mer. Lorsqu'il partage le pain et le poisson avec eux. Donc, cette histoire de rester au bord de la mer, là, c'est quelque chose qui vient de Dieu, pas du diable. Le diable a pris ça chez Dieu. C'est pas Dieu qui a pris ça chez lui. C'est Dieu qui prend plaisir à rester au bord de la mer. Dieu parle à Moïse dans le livre de Exode et il dit à Moïse, « Lève-toi très tôt et va au bord de la mer, car Pharaon est comme un crocodile. » Le crocodile est cet animal qui aime rester au bord de l'eau. Hein? Alléluia. Jésus prenait un plaisir très particulier à enseigner toujours au bord de la mer. Hein? Ézéchiel chapitre 28 au verset 1 nous dit également que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, dit au prince de Tyr. Dis avec moi le prince de Tyr. Le prince de Tyr, pour parler d'un autre secret au sujet du combat spirituel, est l'un des noms, pour ne pas dire le nom caché du diable. Hein? Le prophète rajoute en disant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ton cœur s'est élevé, tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Regarde bien ce qu'il dit, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Donc, il est en train de te montrer ici que Dieu a un siège dans la mer. Voilà pourquoi Satan prend un malin plaisir à y demeurer également, parce qu'il se prend pour Dieu. Alléluia! Toi, tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Hein? Tiens. Etc. 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 Donc, qu'est-ce que j'essaie de nous montrer ici? J'essaie de nous montrer, et c'est là tout l'enseignement que nous avons donné l'année dernière sur comment briser le mariage spirituel et combattre les esprits des eaux. Ce que j'essaie de nous faire comprendre ici, c'est que quand tu t'intéresses au mystère de Tyr, la révélation concernant la mer, la révélation concernant les flots, la révélation concernant les esprits des eaux, il faut bien comprendre comment les esprits des eaux opèrent. Les esprits des eaux, ce sont ceux qu'on appelle souvent des maris et femmes de nuit. Ce sont des esprits qui opèrent dans les songes énormément. Énormément. Les esprits des eaux opèrent beaucoup dans les songes. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits, quand ils entrent en toi, ils viennent
s'unir à toi. Et c'est quand ton corps est inerte et au repos que ton esprit est le plus en mouvement. C'est là en général qu'il se manifeste, la nuit quand tu dors. Les gens dorment la nuit et voient toutes sortes de choses. Les gens se voient se balader dans des marchés. Les gens se voient être poursuivis par des bêtes bizarres. Les gens se voient être mordus par des animaux. Les gens se voient se battre avec des gens. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils se réveillent le matin, ils ont des bosses partout sur le corps. Ils sentent des douleurs, etc. Qui a déjà vécu ça? N'aie pas peur, lève la main. Alléluia. Donc, quand nous parlons du mystère de Tyr, on parle d'abord de cette principauté-là qui agit énormément au travers de ses agents, les esprits des eaux, au travers du mariage spirituel. Maintenant, la chose la plus dangereuse pour un chrétien au sujet du mystère de Tyr, ou de manière plus large au sujet du combat spirituel, c'est qu'il soit ignorant de ces choses-là. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ. Les gens sont ignorants de beaucoup de choses. Mais ce que je vais te montrer pendant 3 jours là, c'est comment Tyr opère dans la vie des gens sans même que les gens s'en rendent compte. Pourquoi? Parce que quand on dit combat spirituel, esprit des eaux, etc., etc., souvent les gens voit le côté manifeste de la chose et s'intéresse très peu à ce qui ne se voit pas. Alléluia. Le diable est malin, il est très organisé. Et un terroriste, c'est quelqu'un qui agit dans le secret. Et cette semaine, c'est ça qu'on va toucher. Comment est-ce qu'il agit dans le secret et comment est-ce qu'il peut influencer les cœurs, les comportements des gens? Je vais te démontrer. Tu veux cette onction? Tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est, et toi, c'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Après, entre aujourd'hui et dimanche, mais surtout à partir de demain, je vais te démontrer comment le comportement de quelqu'un peut être influencé par un esprit sans même qu'il s'en rende compte. Et de manière très subtile. Alléluia. S'il y a bien une chose qui peut te mettre en danger, c'est ton ignorance. Pourquoi l'ignorance est quelque chose d'extrêmement dangereux? Pourquoi l'ignorance est dangereuse pour l'église? Satan est appelé, Satan porte aussi un autre nom dans la Bible, le prince des ténèbres. Le mot ténèbres en hébreu, c'est un mot hébreu que l'on prononce skotos. Dites-moi skotos. Skotos veut dire ténèbres ou encore obscurité. Hein? Mais il y en a un autre, il y en a plein d'autres. Mais skotos, c'est celui qu'on traduit souvent en français par ténèbres. C'est le prince des ténèbres. En d'autres mots, c'est celui qui opère et qui travaille dans l'ignorance des gens. Ce que tu ne sais pas, c'est ce qui te détruit. Ce que tu ne sais pas, c'est ce qui te met en danger. Mais pourtant, Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité. Vous aurez la bonne information et elle vous rendra libre. Du grec logos. Alléluia. Pourquoi est-ce que l'ignorance est dangereuse pour les enfants de Dieu? Parce que l'ignorance, c'est le repère des brigands. Ignorance, du grec skotos, ténèbres, veut dire caché. Là où ceux qui font du mal se cachent.
Les brigands sont ceux qui se cachent dans l'obscurité. La Bible nous dit ceci dans le livre des Psaumes au chapitre 74. À toi est le jour, en parlant de Dieu. À toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Et égard à l'alliance, Seigneur, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. C'est une métaphore qu'il est en train de faire là. Il est en train de nous dire que partout où c'est sombre, il y a des brigands qui se cachent. Tout domaine de ta vie où tu es dans l'obscurité, il y a des esprits qui travaillent. Toujours. C'est pour ça qu'il faut combattre l'ignorance. Et c'est pour cela que Jésus-Christ était un enseignant. Parce que l'enseignement vient et déverrouille ceux qui étaient verrouillés. L'enseignement vient et ouvre les oreilles. La prédication proclame, l'enseignement explique. Et quand on explique, les gens comprennent. Et quand les gens comprennent, ça les délivre. Alléluia. Ouais. Une fois, je vois ma femme à la maison. Et puis, elle voit un cafard. Et puis elle fait, non, le cafard, oui, le cafard. Elle n'aime pas les cafards. Ou du moins, quand le cafard la surprend, elle dit, non, pas le cafard. Hein. Elle sursaute, comme la plupart d'entre vous, on voyait un cafard. Ma fille qui a 2 ans, quand elle a vu le cafard, elle vient, elle vient, attrape le cafard. Et c'est moi qui dis, laisse le cafard. Si tu ne lui dis pas, elle est même capable de manger ça. Alléluia. L'ignorance est le lieu où les esprits mauvais se cachent. Ici, le mot sombre, c'est l'hébreu machak, qui veut aussi dire obscur. Hein? Donc, tout ce qui est obscur est le lieu où repose ce que David appelle ici des brigands. La Bible nous dit encore dans le livre de Osée au chapitre 4 verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Hein? Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, etc. Puisque tu as oublié ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. Donc l'ignorance n'est pas bon. Ésaïe 42 verset 16 dit, je vais guider les aveugles sur un chemin, sur des sentiers qu'ils n'avaient jamais suivis. Pour eux, je changerai l'obscurité en lumière et les obstacles en terrain plat. C'est cela mon projet. Je n'y renoncerai pas, je le réaliserai. Et si tu regardes bien, l'un des volets importants de la feuille de route de Jésus-Christ, c'était de redonner la vue aux aveugles. C'est encore là une métaphore. Ouvrir les yeux de ceux qui sont dans l'obscurité. Pour qu'ils entrent dans la lumière, pour qu'ils aient la connaissance. Alléluia. Yeah. Donc c'est important d'être au courant, d'être au fait, d'être bien instruit sur le combat spirituel. Dis avec moi le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est pas seulement oh là là, la fin, nous avons la fin. Oh là là. Non, non, non. Le combat ou encore la guerre spirituelle se mène de manière stratégique. C'est une guerre de connaissance à connaissance. Celui qui est ignorant dans la guerre, il se fait tuer. C'est pour ça que Dieu a aimé particulièrement Paul. Parce que Paul était un docteur de la parole. Et Paul écrivait des choses qui bouleversaient les nations. Paul était celui-là même qui déversait de manière extraordinaire toute la connaissance de Dieu. Il la rendait la plus banale possible pour le commun des mortels. Alléluia. Maintenant, je vais te raconter une petite histoire. Je vais te raconter une petite histoire au sujet de l'ignorance. Ce que l'ignorance, ou encore les dégâts que l'ignorance peuvent faire dans la vie d'une personne. Je vais te raconter l'histoire d'une amitié très intrigante. Et après, je vais commencer à toucher maintenant le vrai message. Alléluia. La Bible nous raconte l'histoire
de deux personnes qui, à cause de leur ignorance, ont bousillé la destinée de toute une nation. À cause de leur ignorance. Quelqu'un qui est ignorant est quelqu'un qui peut détruire toute sa famille parce qu'il est ignorant et il se met à faire des choses. Il entraîne toute sa famille dans son ignorance. Prends avec moi ta Bible dans le livre de Exode. Note bien les versets parce que ça t'aidera pour ta méditation. Exode au chapitre 34. Regarde bien ces versets que je vais te donner là. Et après tu vas comprendre ce qui s'est passé ensuite. Dans Exode chapitre 34. Au verset 12, il est écrit « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. » Voici un commandement que Dieu donne à Israël, aux Juifs. L'histoire de ne pas faire d'alliance avec des étrangers, c'est un commandement très important pour les Juifs. On ne s'associe pas avec des étrangers. Alléluia. L'étranger, pour lui, ici pour toi, c'est le païen. On ne s'associe pas, on ne se lie pas avec un païen. Dans le livre de Josué, Josué s'apprête à partir et Josué est en train de donner ses dernières recommandations au peuple. Il dit, « Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez de lui pour vous associer au peuple qui reste encore parmi vous, si vous épousez leurs filles, si vous vous mêlez à eux et eux à vous, sachez bien que le Seigneur ne continuera pas à les mettre en fuite devant vous. » Ils deviendront alors pour vous des pièges, des trappes, et ils vous feront sortir comme des fouets frappant le dos avec des épines aveuglant les yeux. Vous finirez par disparaître de ce bon pays que le Seigneur votre Dieu vous a donné. Alléluia. Donc voici deux avertissements très importants. Un, vous ne ferez pas d'alliance avec ces gens-là. Vous ne vous associerez pas avec eux nullement et vous n'épouserez pas leurs filles. Pourtant, quelqu'un qu'on aime particulièrement dans la parole de Dieu, un homme qu'on appelle David, lui va être le premier à faire cette erreur. Il est écrit dans 2 Samuel chapitre 5 au verset 10, David devenant de plus en plus grand. Regarde bien, lis bien ce verset-là, regarde bien. Il devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Point. Bizarrement, juste après, Hiram, dis avec moi Hiram, en roi de Tyr, envoya des messagers à David. Ah! Comment se fait-il qu'Hiram rentre à ce moment-là? Toi, tu lis ça comme ça, en fait, tu te dis que ce sont des histoires. Non, c'est très caché, très subtil. Alors que David est dans le summum de sa puissance, il devenait de plus en plus grand. Dès que cette parole a été déclarée, bizarrement, il y a quelqu'un qui vient le courtiser, le roi de Tyr. Il lui envoya des messagers et du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Toi, quand tu lis, David reconnut que l'Éternel l'affermissait, c'est à double tranchant. C'est vrai qu'il l'affermissait parce que ça veut dire en fait qu'il attirait l'attention maintenant des autres nations. Mais d'un autre côté, ce n'était pas une bonne chose pour lui. Parce que ça a attiré aussi la séduction. Yeah. Tu vois? Et si tu regardes bien, après que le roi de Tyr soit entré dans sa vie, David va prendre une habitude très bizarre qu'on ne l'avait jamais vu avant faire. David va multiplier les concubines et les femmes de Jérusalem. Le genre d'amitié qui t'amène maintenant à avoir plusieurs petites.
David ne connaissait pas ces choses-là avant. Mais depuis que David a commencé à marcher avec Hiram, il commence à multiplier les femmes. C'est une mauvaise fréquentation, ça. Il y a des fréquentations dans ta vie. Quand on te dit que ce n'est pas une bonne fréquentation, tu dis non, mais si. Regarde juste ce que ça produit dans ta vie. Les choses que tu ne faisais pas avant, regarde maintenant ce que tu fais. Tu es marié, mais depuis que tu marches avec une certaine personne, tu commences à avoir un malin plaisir maintenant à regarder les femmes. Parce que quand tu es avec cette personne, vous avez des discussions si légères qui t'amènent maintenant à te dire, bon, finalement, ce n'est pas si mauvais que ça. Alléluia. Hiram, c'était un bandit. Hiram aimait les femmes. Hiram aimait beaucoup les femmes. Et Hiram va donner cette mauvaise habitude-là à David. Naturellement, David, comme c'est quelqu'un qui crée l'éternel, il se dit, multiplier les femmes étrangères, c'est sûr que c'est mauvais. Alors, je pourrais les multiplier, du moins qu'elles restent juives, ça va. Mais qui t'a dit que Dieu était d'accord avec toi? Après qu'il fut venu d'Hébron et il naquit encore des fils et des filles à David. Et bizarrement, et c'est ce que la Bible dit que quand tu pèches, Dieu punit ton péché sur tes enfants et les enfants de tes enfants. Ce que David ne savait pas, c'est que quand il commet cet acte-là, David va ouvrir un accès au diable. Le diable va venir s'asseoir dans sa maison. Dis-moi, une maison où on a plusieurs concubines et ce sont les orgies 24 sur 24, même si c'est avec des filles de Jérusalem. Tu penses que le diable n'est pas assis là? J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connecté à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye. I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here I want to rub up on my side. Here